Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, eh bien, pour une nouvelle carrière suivie sur Farming Simulator 2013. Donc là, on est sur la map Big Polish Farm. Eh oui. Donc, yep, je viens de la découvrir, hein. Donc, en fait, voilà, j'ai voulu vous faire une nouvelle carrière suivie. Et aussi parce qu'on a eu un petit problème, c'est que l'ancienne carrière suivie, eh bien, en fait, mon ordi a complètement bugué. Donc j'ai perdu toutes mes mods, toutes mes sauvegardes, dont la carrière suivie. Donc là aujourd'hui on est pour en commencer une autre. Donc franchement celle-là j'aime bien, ça fait une petite ferme, alors tout ça voilà. En plus il y a pas mal de champs. Il y a même une longue pierre là-bas. Donc aussi là en fait on commence en fait on n'a pas de matériel. Donc je me suis mis 600 000 pour acheter du matériel. Et puis si on en a assez, j'enlèverai le reste et je remettrai à 12 000. Donc je vais pouvoir descendre. Je vais vous faire visiter vite fait la ferme. Hop, voilà. Donc pour ceux qui savent pas comment on fait pour monter en hauteur, comme ça c'est la roulette de votre souris. Voilà. Donc je vais aller vous montrer, alors vite fait, bien fait, comme on dit, la maison. Donc là on a notre grand-père. Alors là il est très gentil lui ce monsieur. Donc voilà, il nous attend pour manger. Voilà, bon, très aimable, hein, voilà. Donc ensuite, ici. Donc là c'est un petit. Au début je crois que c'était l'engrais mais c'est pas du tout l'engrais hein. Alors voilà, donc ici, hop, je passe. Donc là on a un petit escalier, ça nous mène là-haut, hop. Donc là en fait c'est comme dans les cellules. En fait on a une. C'est une genre de. En fait là c'est une genre de broyeuse ici là-haut. Donc là vous voyez, hop. Ça, on va dire que ça aspire le blé. Et ensuite, directement arrivé là-haut, et ben voilà, bah voilà le moteur. Arrivé là-haut, ça vous fait une genre de poudre. Donc ça sert souvent pour donner à manger aux veaux ou aux taureaux. Voilà. Donc aussi, je sais pas si on. Donc normalement on peut monter là-haut. Bon, si j'y arrive pas. J'étais là. Mais si j'arrive du premier coup. Voilà. Donc voilà. Donc peut-être qu'on peut monter sur le toit, je vais essayer. Voilà, donc on est même arrivé sur le toit, c'est encore mieux. Donc là voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux monter comme ça, hop. Donc je vais vous montrer les vaches et aussi un petit truc que j'ai remarqué, je sais pas si on peut vraiment leur donner à manger. On a des cochons, ils sont plutôt bien faits, regardez. Bon, il faut la gueule, c'est peut-être à cause de moi, je sais pas. Et à côté on a donc les poules, vous devez les entendre normalement. Donc voilà, bon, les poussins. Donc ici bon là les silos, rien de spécial. Donc là on a les vaches. Donc là ça doit être le lithium à mon avis. Donc là on est dans le pré des vaches. Hop, donc là un petit escalier je pense que c'est pour la bétaillère. Là on a une barrique à eau, je pense que c'est la décoration. Hein. Ouais. Donc ici les auges. Là on a là bah, le hangar. Donc là aussi en fait on a une touche et la touche O. Pour ouvrir les portes. Donc ça fait bien. Pour le mien, ouvrir les portes comme ça. Donc là, on est dans leur hangar des vaches. Et je vous fais une visite rapide hein, pour pouvoir. Non, on peut pas ouvrir. Voilà, hop, hop, voilà. Donc après, donc là, on a le silo. Voilà, tout ça. Donc ça, vous devez connaître. Ici, c'est pour vider le grain. Donc vous voyez, tous les grains qu'on peut avoir. Donc là, on a un petit. Des petits garages et là-bas sont les vraies semences, hein, donc voilà. Et au bout c'était au bout là-bas en fait c'est pour les semences du pulvérisateur. Donc arrivé ici, donc là les patates, alors ici les moutons. Donc les moutons, il y a juste un petit bug, c'est que des fois c'est comme pour la Belgique profonde, des fois on avait les moutons qui volaient aussi là, et ici c'est pareil, ils volent là. Donc là, donc vous voyez, il les auge, hop. Donc ça fait un petit terrain de jeu. Un peu je trouve. Donc là une pompe pour l'eau, donc c'est vraiment bien fait hein, comme map. Donc voilà, donc là je vous fais un rapide tour de la ferme, mais je pense que je dois oublier des trucs. Donc on va commencer avec un petit, pas beaucoup de matériel hein, parce que bah, c'est une carrière suivie cette fois sans triche, pas comme la dernière fois. Ah oui, voilà, aussi là hop c'est pour vendre là tout ce qui est paille. Donc voilà. Hop, je passe.
Attention à moi. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est le fuel. La barrique à fuel. Bon, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour à peu près. Donc voilà. Donc là, c'est l'endroit où quand on achète, tout arrive ici. Donc déjà, on va commencer. On va acheter une moissonneuse pour commencer. On va pas prendre la grosse classe, hein, non. Donc ça, je sais pas c'est quoi. Ça va être, ah oui, c'est un mode que j'ai téléchargé tout à l'heure, mais qui bug. Donc on va télécharger, on va prendre, pardon, la Newland. Donc qui est une très très belle moissonneuse, hein, franchement, je trouve. Donc en benne, c'est pas ça. Donc elle trace, on s'en fout. En remorque, on va prendre la deux essieux, ouais, c'est bien. Hop. Cultivateur, on peut prendre celui-là, il est 10 fois trop grand. Alors, 9 mètres 10. Celui-là, c'est un bon pareil. Ah, par contre, ça, bon, on va prendre hors mode. Charrue, bon, je sais pas. Donc celui-là, il est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, maïs? Sais pas. Je sais pas. Bon, on va peut-être prendre celui-là. Ouais, alors, on va prendre celui-là. Hop. Bon, ça, alors, le pulvérisateur, là. Alors, en fait, j'aime bien prendre les modes. Donc, après, pour du raffumier, on va peut-être pas en prendre maintenant. Que purin, faucheux, on s'en fout un peu, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, les machines à balles. Bon, après, comme ça, vous devez connaître le mode, c'est où toutes les balles sortent d'un coup. Quoi. Et là, c'est cher en plus. Bon, on va peut-être un peu aussi. Là-dedans, alors, pas grand-chose. Donc, déjà, on va acheter un tracteur. Donc, je vais prendre celui-là. Je l'adore, celui-là, il est super bien. Le petit international. Voilà. Ça lague un petit peu pour l'achat. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Donc, on va acheter un tracteur avec une fourche. On va prendre le CAZ. Un de mes tracteurs préférés en ce moment. Non, le cas, je vais pas lui mettre de fourche. Hein. Je vais en prendre un autre. Celui-là. Je sais pas si ça fait trop gros. Franchement, je sais pas. Donc après, on va prendre le Zetor. Est-ce qu'on a d'autres? On peut toujours prendre aussi le 33. Le 3080, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc. Ah oui, j'avais dit une fourche, on va prendre le 15 en fait. Voyons, oui, il y a le Ford qui est pas mal là. Zut, j'ai hésité un peu. Voilà, on va prendre le Ford, hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a dedans? Et ça, on va prendre après. On va prendre le côté de chez Luxfarm. Bon, je pense que c'est plutôt bien déjà. Ah oui, il y a un semoir aussi qu'il nous fallait. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer la moissonneuse qui est franchement, mais je vous dis, elle est super bien faite, je l'adore celle-là. Dans mes parties, c'est celle que j'utilise tout le temps. Bah, comme pour la Belgique profonde, enfin des trucs comme ça, c'est celle que je prends. Donc là, vous voyez, franchement, super bien faite. Donc, est-ce qu'on a un semoir? Oui, on en a. Donc, on va pouvoir commencer. On va commencer la moisson. Donc c'est un de mes tracteurs que j'adore aussi, c'est le Massey Ferguson 3080. Proche du 3080. Bon, 3080, voilà. Alors, on va pouvoir aller mettre la moissonneuse en route. Allez. Hop, le frein à main, touche 9. Pas du numpad, hein. Du haut. Là, je vais vous montrer vite fait à l'intérieur. Donc vous voyez, super bien fait. Hop. Franchement, je l'adore. C'est une moissonneuse. Là, en fait, c'est pour ceux qui la cherchent, elle est sur le LS Quiz. Donc c'est, donc vous avez dû voir, elle était à peu près à 40 000, je crois. Là-dedans. Hop. On est bon, je fonce de là-dedans. Ce n'est rien. Heureusement qu'il n'y a pas un truc où il s'abîme, parce que là, avec moi, oh là là. La coupe serait partie en l'air, la moissonneuse cassée. Tout en réparation, on pourra jamais la prendre.
Donc est-ce qu'on a des chances sur un nous là-dedans? Bon, y a pas de numéro donc tous les chances sur nous, c'est déjà un truc qui est pas mal. Donc là on va avoir pas mal de boulot. Donc on va pouvoir commencer à faire celui-là. Hop. Donc on commence peut-être que prendre une deuxième moissonneuse hein, à la limite. Ça passe. Okay. Voilà. Alors. Hop, tombe pas dedans. Hop. C'était limite quand même. Alors on va te mettre au boulot toi. Hop, je vais mettre un ouvrier hein, plutôt que de chercher tracteur. Mais bon, pas de travers. Hop. Ah oui, c'est ça en plus. Oh, ça va être bien. Comme ça rapporte ça, en plus. Ah, on a un beau champ là. Zut, c'est pas que tu pars comme ça. Tu veux pas travailler tranquille? Hop. Allez hop, au boulot. Voilà quand même. Donc ouais, elle est franchement bien faite. Aussi, il y a un truc, c'est que quand on ouvre la buse, en fait, le grain, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, il se met en pente, donc c'est plutôt bien fait. Donc là, je passe, bravo. Donc on va prendre, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre, pour la tête des essieux. Donc déjà, mon casque, je le réserve à mon semoir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre le 3080, ouais. Moi, je les appelle comme ça. Celui-là en particulier, je l'appelle comme ça. Hop, hop. Et voilà, nickel. Donc ça fait peut-être, ça doit faire 80 chevaux à peu près. Oh là. Bon, voilà. Bon, vous avez rien vu, hein. Je vais peut-être le couper au montage si j'y pense. Ça c'est pas sûr. Et vous avez rien vu, la remorque elle est restée debout. Elle n'a rien fait. On l'a achetée, elle était comme ça. Et voilà. Hein, parce que... Après vous avez trouvé des preuves que je l'ai vraiment faite. Prenez pas de photos ni rien, ça vaut pas la peine. Surtout pas. Bon c'est bon, il est parti. Donc ça c'est la benne, pardon. De chez Lux Farm aussi. Hein. Lux Farm ils ont fait pas mal de mods, hein. Malheureusement ils ont raté. À cause de personnes qui devaient l'embêter. Qui devaient l'embêter à lui mettre des insultes alors qu'il fait des super bons mods. Hein. Regarde-moi ça. Même des touches pour mettre en version ensilage tout ça. Donc je vais peut-être acheter une deuxième moissonneuse. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en mode? Bon, ça je vais les retirer dès que je peux. Alors qu'est-ce qu'on a? Peut-être prendre celle-là aussi. Et ça coupe. Et voilà. Je sais pas si j'ai le ESP limité là. Sur celle-là. Je crois pas que ça marche. On va les laisser repartir. Ce qui est bien avec ces moissons-là, c'est que elles reculent un tout petit peu, donc elles sont pas obligées de foncer dans des arbres, des trucs comme ça. Donc attends. Non, il marche pas. C'est pas grave, on va prendre l'autre moissonneuse. Donc ça c'est le champ. Et voilà. Donc là on est sur. Non, ah oui, on a une coupe pour la buse. Donc voilà la John Deere, donc je vous disais. Donc elle est aussi ancienne, hein, John Deere. Même ça on dirait que ça a rouillé, c'est rouillé tout ça. Donc plutôt pas mal. Allez hop, recule. Donc, comme ça on commence direct avec deux moissons. Hein. Je vais pas vous montrer aussi la vue qui est plutôt pas mal. Hop. Donc là vous voyez on est là. Hop. Donc là on voit bien comment qu'on vide. Sur l'autre John Deere aussi que j'ai en fait c'est on est carrément sur la buse. Donc c'est encore mieux. Donc je sais qu'il y a une touche. Je sais plus c'est quoi. 6 peut-être. D'accord. 5 pour ouvrir, voilà. Bon, je vais peut-être mentionner aussi, moi, je sais pas.
Je vais faire dans cette longueur moi. Dans cette dans la longueur inverse de la nuit. Hein. Non, je vais plutôt conduire la nuit. Hein. Parce que celle-là, elle est un petit peu moins bien faite hein, quand même. Regardez, hop. Ah oui, ça se rajoute, ça. Bon. Il y a ça aussi qu'il faut. Je sais plus c'est quelle touche aussi. 9. Voilà. Allez, à bosser. Dépêche-toi. Pas que ça à faire. Donc la Nuland, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a un bon réservoir. Hein. Elle a un bon réservoir au niveau pour ça. Regardez, elle a fait tout ça, elle est déjà à 41%, donc pour une petite morceau. Bon, vous voyez, tu pars. Hop. Allez hop. Franchement, c'est un mode que j'aime bien. Je sais pas si on peut voir là. Ouais. Donc voilà. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais enfin bref, le lien est sur LS Quiz hein, pour ceux qui la veulent. Bon, pour l'autre mentionnage, je crois qu'elle y est aussi. Il faut un petit peu chercher. Mais on peut toujours la suivre. Non, ça va l'embêter. On va aller faire l'autre côté là. Ce qui nous a loupé celui-là. Allez hop. Évidemment, faut repasser derrière. Oh là. On va le surveiller parce que par contre, lui il recule vraiment bien, il prend son temps et tout. Et il fonce dans les arbres. Donc c'est un peu chiant. Donc on va essayer de finir le champ pour la fin de l'épisode hein, parce que. Et pour qu'on avance parce que sinon on est encore bien. Donc je vais peut-être prendre 50 vaches pour commencer. En plus des cochons. Les cochons j'ai bien envie de les faire. Donc aussi voilà. Je pense que c'est tout qu'on pourra acheter encore. Pe oui peut-être une machine à balles. C'est possible du maïs. Ouais. Donc l'ensileuse on prendra. Faudrait que j'en cherche une ancienne. Il y en a des pas mal aussi. Faire ton boulot là. Allez hop. Hop donc. Là ça a l'air d'être. Je crois que c'est du blé, je suis pas sûr. Ou de l'orge. Hop, c'est bon. On va pouvoir aller continuer nos occupations là-bas. Hop, allez. À mon avis, on peut le dépasser là comme ça. Je passe un petit peu en vue intérieure. Donc là aussi j'essaierai de faire des épisodes en multijoueur aussi. Hein. Et si vous en fait si vous voulez faire des épisodes avec moi de la carrière suivie, vous le dites dans les commentaires. Ou vous m'envoyez un message en privé ou sur la page Facebook. Vous me dites que vous voulez faire un épisode avec moi ou faire des petits trucs comme ça. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Après, faut que je vous file les mods, la map, tout ça. Il faut au niveau horaire aussi. Allez, dépêche-toi. Donc si vous voulez faire la carrière avec moi, vous me le dites dans les commentaires. Comme ça, on pourra toujours en faire une à 3 avec Thomas et puis moi. Parce que Thomas là, il joue plus 3 farming lui, alors. Sauf peut-être qu'il. Là, il commence à y rejoindre un petit peu. Aussi, j'ai un ami Simon, donc peut-être qu'on fera des vidéos ensemble. Donc voilà. 53. Je l'adore quand même, c'est une mosseuse. Elle est classe. Même si c'est Newland. Donc aussi je l'ai marqué sur Facebook, mais je tenais à vous remercier parce qu'on a atteint les 200 j'aime sur la page. Donc ça m'a fait super plaisir dès que j'ai vu ça en fait. Il me manquait 5 j'aime. Il y a 5 personnes. Et ben ils ont mis un j'aime à la page. Et puis on est arrivé à 200. Donc c'est super. Je vais peut-être pas faire un épisode trop long parce que ces temps-ci ça met un peu de temps. Ah c'est mais ça savais pas que ça met un peu de temps, mais moi avec ma connexion je pense que ça met un petit peu de temps à se mettre en ligne. Parce qu'elle est pas vraiment. C'est pas la meilleure, hein. C'est pas la fibre optique. Donc voilà.
Après on fera après l'autre que je vous ai montré là-bas, on fera peut-être celui-là, mais il est vraiment grand par contre. Il y a des déjà pas des vagues, mais c'est il est pas drôle je crois. Celui-là encore ça peut aller, mais ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre tant que je mets les ouvriers à la limite? Faut toujours aller essayer de les vider. Avec mon petit Massey Ferguson. Voilà. Allez. Donc aussi il existe avec en version fourche. On va mettre une fourche. Moi je l'avais avant que mon ordi me supprime tout, mais je l'ai pas téléchargé. Allez, on va pouvoir les vider. Je vais vider d'abord celle-là. Elle devrait pas tarder à être remplie. Hop, stop. Allez, allez. Donc là, le compteur il marche, mais c'est. C'est un tout petit truc. Donc là, je vous disais la moissonneuse, voilà comment qu'elle vide. J'aime bien que ça vide. À part juste que ça passe comme ça, mais c'est doux. Donc aussi si vous voulez la map, je mettrai le lien dans la description hein, parce que à chaque coup moi je regarde une vidéo et je dis oh ouais j'ai trop envie de la voir et tout ça, et le gars il met pas le lien. Donc moi je lui mets dans les commentaires, il me dit ok mais est-ce que t'es abonné ou t'as mis un j'aime à la vidéo tout ça. Là, je lui dis non mais moi je sais pas pour ça hein, c'est juste que je veux avoir le lien de la map et puis je l'ai pas. Donc là c'est pour ça que à chaque coup je vous mets des mods ou que je vous en présente, je vous mets les liens parce que ça c'est pas trop sympa. Bon, je crois pas qu'il va passer à lui. Hop. Avant, je pense qu'elle a été reprise d'une classe. Je suis pas sûr. Et un peu de vide, nickel. Bon, allez, on va passer comme ça. Donc là, quand je tourne, il est mercredi, donc j'ai essayé de le mettre ce soir. Après avoir fait le montage tout ça. Hop, et voilà, ouais. Par contre on n'y voit plus rien après. Dommage qu'il n'y a pas un petit gyrophare dessus. Allez, on va aller vider l'autre. Juste. Donc voilà. Je sais pas si elle est pleine. J'ai dû en louper une. Ouais, elle commence à être pleine. On va la vider. Donc là en fait les trucs de mon jeu je les ai mis à fond. Et franchement ils sont dans les options, j'ai mis en very height. Donc ça sera de la meilleure qualité pour vous. Et puis il y a un truc que j'ai mis. Hop là zut. Un truc qui est bien c'est que en fait ça se met plus vous mettez la qualité haute. Et plus vous avez de vaches, par exemple si vous achetez vous mettez en cancer nul, plus si par exemple vous avez 10 vaches, vous aurez sûrement 2, vous n'aurez que 3. Et en fait quand vous mettez, si vous mettez vraiment very height, les capacités à fond, en fait vous aurez, je pense que vous aurez toutes les vaches à mon avis. Hein. Après si vous avez 100 vaches, vous aurez pas les 100 vaches, mais vous aurez 10 fois plus de vaches que en normal. Donc si vous n'avez pas de mode et si vous, ou alors si votre ordi lag pas trop, mettez en very height, c'est pour ceux qui l'ont pas encore fait. Ah c'est parce que je touche. Ensuite. Allez hop, j'arrive, j'arrive. Heureusement qu'il y a un gyrophare à la remorque et pas au tracteur. Donc je sais pas, dites-moi aussi dans les commentaires si je dois acheter le John Deere que je vous disais là. Moi j'aimerais, je voudrais bien. Mais bon. Ah il fallait que j'aille vous. Ah oui, je viens de repasser un truc. Dans l'atelier de réparation. Bon, je vais vous montrer pour après avoir remis la John Deere. Dans l'atelier, il y a un petit truc spécial. Voilà, un tout petit truc, hein, mais c'est pas grand chose, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas grand chose. Et il repart toi. Évidemment il me part de travers. Il tourne pas ses roues. Mais oui, mais allez allez hop. Fallait vous montrer quelque chose, alors je me dépêche un peu. Bon, allez hop.
part comme ça, toi. Non, mais il va pas prendre que ça, il est fou. Bon, excusez-moi si je prends un petit peu mon temps. Je vais redescendre le tracteur, avec le tracteur en la vidant. Et voilà, allez. Hop, on va prendre mon petit massé, hop. Quand même, pour amasser celui-là, niveau intérieur, il est bien fait parce que c'est par exemple les 6000 ou le. Entre du truc des sortes des versions 6000 à 8000, les intérieurs, je sais pas pourquoi, elles sont pourries. On a juste un volant noir avec le logo, puis voilà. Donc les body, ils s'emmerdent pas trop. Alors que celui-là, encore ça va, ils ont. Un peu stop, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il m'étonne pas. Oh la galère. Comment ça m'énerve celui-là? L'autre il bosse tranquillement et toi évidemment faut que tu foutes la merde. C'est dans ta nature. Donc je pourrais aller vous montrer maintenant après. Bah après. Ce que je vous disais parce que. Je sais pas si on va y arriver là. C'est impossible. Avec toi là tu nous fous la merde. Tu vois, je vais te revendre là en 2 secondes. Je vais cliquer sur vendre, tu vas te partir. Là tu avances et tu moissonnes. C'est tout ce que je demande. C'est aussi simple comme bonjour quoi. Aussi simple. Donc voilà. Bon, excusez-moi, j'engueule le gars qui est là-dedans parce qu'il avance, il fait du boulot de merde. Hop, et voilà. Donc maintenant je vais vous montrer, bah, je vais aller vider la remorque, même si elle est pas pleine. Allez hop. On va aller vider la remorque et je vais pouvoir aller vous montrer l'atelier. Ou alors je. Ah oh, non, il est là, je vais vous montrer maintenant. On va se mettre en vue intérieure. Donc voilà, par rapport au 2000, il est pas extraordinaire, mais il est quand même mieux. Donc là, je vous dis, c'est le truc pour le pulvé. Hop, voilà. Ah donc attention. Déconseillé au moins 18 ans, je précise. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a dedans. Donc voilà, j'ai remarqué ça l'autre jour, j'ai garé mon tracteur. Donc voilà. Donc si même si vous aimez pas la vidéo, vous mettez un j'aime pour toutes ces filles qui sont là. Vous mettez un j'aime pour vous messieurs ou même mesdames. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous mettez ça. Vous mettez un j'aime si elle vous plaise, vous mettez un j'aime. Même si la vidéo vous a pas plu. Hein. Donc voilà. Donc c'était un petit truc je vais mettre déconseillé au moins 18 ans là. En grosse lettre. Hein. Colza quoi, qu'est-ce qu'il y a le colza? Bon, on va éviter comme ça, c'est plus simple. Donc là, il n'y a pas longtemps, il y a une mise à jour qui est sortie, c'est la 2.1. 2.1.2 je crois. Donc je sais pas ce qu'ils ont corrigé mais bon. Un grain stockage, on s'en fout. On le savait avant toi. Ah ce qui est bien c'est qu'on pourra carrément rentrer dedans. Oui pour leur donner à manger. Donc là j'aimerais bien m'occuper un petit peu mais plus des vaches. Donc là le fumier là, que je vous ai pas montré. J'aimerais bien m'occuper un peu plus des vaches et au niveau cochon. Au niveau quoi. Donc si j'ai un mode qui permet de placer des veaux, peut-être que je les prendrai. Que je les prendrai comme mode. Là, on va la vider vite fait. Elle doit commencer à être pleine, elle. Ah, on l'a pas vidé depuis le trail en fait. Allez, viens vider. C'est de ce côté-là. Vas-y, vas-y, fonce dans la remorque, on va rien te dire. Oh zut, les premières. Excusez-moi. Voilà, pardon. Que je suis un petit peu enrhumé en ce moment. Et je crois que je suis tombé malade. Donc toi, viens pas foutre la merde. Allez, allez, avance.
Attendez, j'ai enlevé mon micro parce que là j'ai toussé encore beaucoup. Hop, voilà. Excusez-moi. Excusez-moi là, parce que ça a commencé à me prendre un petit peu la gorge. Donc voilà. Donc on est reparti. Donc je vais pour finir de la vider. Avec mon petit Mercedes 3080. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans une des vidéos de Jouons dans le Pré. Donc c'est une super chaîne YouTube, alors je vous conseille d'aller la voir. Donc je leur fais un petit coucou. Donc en fait, il avait fait une présentation où il n'y avait que des Mercedes Ferguson. Donc je vais lui dire comme ça, il sera au courant. On ne dit pas 3080, il faut dire 3080 ou des trucs comme ça. Par exemple, on a 6475, on dit pas 6475. C'est pas comme ça. Pourquoi je fais que de reculer et d'avancer, je ne sais pas. On te le fera. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse hein, pour si elle regarde la vidéo, je pense pas, mais pour vous dire ça. Il y en a souvent, il se trompe même pour les John Deere, ils disent que c'est une série 7. Bah, en fait, le truc pour les John Deere, en vrai, c'est marqué par exemple, on a 7080. On enlève juste, et pour en fait ça veut dire que c'est la série 7 et que c'est la que c'est série 7 et qu'en fait c'est que c'est série que bon, je m'embrouille là. Que c'est une série 7 et qu'en fait on a 80 chevaux par exemple hein. Même là par exemple en John Deere j'ai un 30-30, un 3030, voilà, je m'y prends aussi là, je vais vous montrer si je le trouve. Donc voilà, c'est un 3030, donc c'est série 3, 30 chevaux. Donc voilà, pour ceux qui savaient pas comment on faisait. Bon, là on a un petit bug, je sais pas pourquoi on s'envole des coups. Mais c'est pas trop grave. Donc là je vais vous présenter assez vite l'international, comme en attendant que il me sonne. Et hop. Donc voilà le petit international dont je vais vous parler. Donc on peut mettre les quatre motrices aussi, hein, c'est pas interdit. Je sais pas ce qu'il touche. Oui. Alt C. Et voilà. Donc l'intérieur, franchement, pas mal. Hein. Hop. Je sais pas si c'est quoi le voyant que j'ai eu. Oh, c'est pas grave. Donc là, mon pilier, en fait, c'est celui d'origine qui a été mis avec de nouvelles couleurs. Je préfère comme ça quand même. Donc on va le monter dessus. Hop. On dirait que le tracteur est un peu petit, mais non. Ça le fait, il traîne nickel hein, franchement. Alors on va le mettre là, en attendant qu'il motionne, parce qu'on va pas les regarder sans temps. Et je remets le frein et voilà. Voilà, allez. Donc maintenant on va prendre le Ford. Donc dites-moi aussi si vous préférez que je mette la fourche sur le Ford ou sur le CAS. Vous me le dites, sinon je revendrai le Ford ou je le garderai, je sais pas. Non mais pas toi. Nous ce qu'on veut c'est le Ford. Mais oh, c'est bon. Aussi j'ai un petit Zetor, un Ursus pardon. Un petit Ursus pas mal là. Hop. Ah. Alléluia. Allez hop. Donc on va pouvoir le prendre. En fait j'ai tout un pack de Ford. Des petits comme le Kramer jusqu'au gros bassin 7000. C'est un 7000, hop, et voilà. Donc c'est relatif. C'est des petits tracteurs quand même, hein, mais. Donc voilà. Hop, donc voilà ce que ça donne. Peut-être un peu gros quand même. Non, voilà. On va le garer là. Je vais peut-être garder l'argent en fait. Histoire de bien commencer. Bon, je vais voir. Je pense que je vais l'enlever quand même parce que si elle fait pas trop vrai pour une carrière. Allez hop, y a pas de frein. Non, allez hop, et voilà. Donc maintenant. Bon, on va laisser comme ça. On va aller voir ce qu'ils font là-bas. On peut peut-être monter là-haut.
Bonjour madame. Oui, je vends des chocolats pour mon école. Non, je déconne. Après, si vous voulez m'acheter des chocolats, moi je veux bien, mais j'en ai pas. C'est 5 euros, 5 euros le chocolat. Ah, il faut que j'aille la vider. Il y a mon tracteur. Là. Là, il y a le frein. Hop, et voilà. Donc là, c'est ma première canne à suivi que je fais sans argent. Hein. Mon pote qui fonctionne, c'est parfait. Bon, je pense que je vais vider la John Deere et qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Que ça doit bien faire une demi-heure au moins qu'on y est. Parce que pour la mise en ligne, ça va prendre du temps. Bon bah cet épisode est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Bah si c'est le cas, likez la vidéo et puis pour les filles là-bas qui sont dans l'atelier qui vous attendent. Donc likez la vidéo, abonnez-vous parce qu'on est à un abonné des 50. Donc je vous dis encore merci pour les 200 j'aime sur la page Facebook. Donc allez la voir aussi si vous avez un compte. Hein. Allez la voir et mettez un j'aime. Donc moi je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode de la carrière suivie sur cette map là. Donc moi je vous dis à la prochaine, allez, salut!